Salut à tous et bienvenue dans Replay N2, votre émission de foot consacrée au championnat de National 2. Alors désormais, vous avez l'habitude du programme, hein. Vous allez retrouver le top but, le top arrêt, la toile sans flamme dans cette émission. On passera également un coup de fil à un acteur du championnat de foot de National 2 et vous verrez dans quelques instants qui est notre invité du jour. Et on terminera bien évidemment par un point sur les quatre groupes avec la rubrique donc tableau d'affichage, classement, résultat, image forte, tout à retrouver dans cette émission et vous verrez bien évidemment qu'il y a eu du grabuge en haut et en bas dans chaque groupe de National 2. Mais tout de suite, on se fait un premier petit plaisir avec le top but de cette 23e journée de National 2. Le top but parfait pour se mettre en jambe dans cette émission. Et comme d'habitude, vous avez l'occasion de voter pour le plus beau de ces 5 buts qu'on vous a sélectionnés durant cette 23e journée. Rendez-vous pour cela sur les réseaux sociaux de foot national. Et c'est Denis Balbière dans Live N2 vendredi qui vous dévoilera donc qui est le plus beau but de la 23e journée selon vous. Et avant de mettre également à l'honneur tout à l'heure les gardiens, bah on file sur le terrain des réseaux sociaux pour le meilleur des réactions du week-end. Et on commence cette toile sans flamme avec le Bois Foot 41, décidément très penché musique en ce moment. Après sa référence au chanteur Jul, la semaine dernière, le club du Loir-et-Cher fait découvrir de nouveaux talents musicaux. En l'occurrence, le rappeur El Flaco et sa chanson El Di. En attendant un concert au stade des Allées, c'est un autre chant qui a résonné dans l'ensemble du Bois Foot 41, celui de la victoire entonnée par Chartres, décidément très à l'aise au moment de disputer le derby du Centre Val-de-Loire. On file dans la poule B où le miracle s'est enfin produit pour le RC Lens. 6 mois après, la réserve des 100 et or se sont enfin imposés et de belle manière qui plus est 3-0 sur la pelouse du Stade de Reims. Lens qui fait donc une belle opération dans la course au maintien dans la poule B et qui profite notamment de la défaite du FC Metz sur la pelouse d'Épinal. Les Spinaliens, eux, qui ont fait le boulot sur le terrain mais aussi dans les vestiaires. Au rayon des bonnes opérations, Saint-Priest n'est pas mal non plus, on verra ça plus en détail tout à l'heure dans le tableau d'affichage. En attendant, on plonge dans le vestiaire de Saint-Priest après l'important succès contre Monaco. Pas de buteur ni de gardien de but pour cette interview qui arrive. Notre invité du jour est un défenseur, celui d'Angoulême. On accueille donc Clément Jolibois. Salut Clément. Bonjour. Alors Clément, on va parler tout de suite des choses qui fâchent. Défaite à Andrézieux ce week-end, un concurrent direct à la montée. Pendant que Bergerac n'a pas joué, match reporté, on en reparlera dans quelques instants. Mais on imagine que le week-end n'a pas été forcément très bon. Non, il n'a pas été très bon, comme tu le dis. On s'attendait à une grosse équipe d'Andrézieux. Après, on s'était fixé soit le match nul ou soit une victoire parce que on était sur un bon enchaînement de victoires et de nuls avec beaucoup de clean sheets. Là, c'est vrai qu'on se prend un but dès la 7e minute. Je pense qu'on était encore dans le trajet et puis voilà, on n'est pas concentré dès le début et puis ça paye. Ça paye de se prendre un but dès le début et puis pour revenir, c'est assez difficile
en National 2, Et qui va puis du dans le coup. même temps, on rappellera aussi que Bergerac, hein, n'a pas joué, le leader de la poule D. Qu'est-ce qui n'a pas été plus précisément du côté d'Andrézieux ce week-end, Clément? Ce qui n'a pas été, ouais, bah c'est le début de match. Hein. Les 10 premières minutes, on a manqué d'agressivité dans les duels. On s'est fait un petit peu manger, ils en ont profité, ils ont marqué dès le début. Et puis après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est reconcentré, on a gagné nos duels, franchement, on a eu la possession, on a dominé presque tout le match ensuite. Et vraiment, leur gardien fait 2, 3 parades, il les sauve en fin de match et puis on n'arrive pas à revenir. Voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Il faut être concentré de la première à la dernière minute, comme on dit. Et puis après, ça paye en National 2 de se prendre un but dès le début et puis c'est assez difficile de revenir. Ça n'empêche pas que Angoulême réalise une belle saison, hein, toujours deuxième à un point du leader Bergerac, provisoirement on l'a dit, puisque Bergerac n'a pas joué ce week-end. Est-ce que le fait de jouer la montée cette saison avec Angoulême, c'était quelque chose de programmé au club? Non, 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 du tout. C'était même pas programmé. Nous, c'était l'objectif, c'était le maintien. Donc, on l'a réalisé assez rapidement là, les dernières semaines. Donc, objectif atteint. Après, on s'était dit que tout va dépendre de la place où on va être dans le championnat. Et puis, on est dans le haut de tableau. Donc, avec le coach, nous a dit que pourquoi pas, ça pourrait le faire. Donc, pour l'instant, on ne se prend pas la tête, on prend match après match, après on verra à la fin de saison. Mais oui, c'est le deuxième objectif à valider. Donc, une montée, oui, ça serait cool. Est-ce que le fait que David Jegel ait repris l'équipe d'Angoulême était l'une des raisons de ton arrivée? Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'avais fait quelques essais dans des clubs de N2, mais pas celui d'Angoulême. Et le coach David Jegel m'avait appelé pour retourner à Rouen, intégrer l'effectif N2 pour être le troisième défenseur central. Et puis, du coup, moi, j'étais parti pour aller signer à Rouen. Et puis, dans la foulée, il m'a dit que, du coup, lui, il va pas rester. Il va partir à Angoulême. Et puis, il m'a proposé, s'il voulait. Si je voulais prendre l'aventure avec lui, qu'il me prenne dans ses bagages. Donc j'ai pris le risque. Je me suis dit, s'il m'appelle, c'est pas pour rien. Mais même si je dois faire mes preuves, je vais essayer, je vais prendre le risque et après on verra. Pour continuer également sur Angoulême, qu'est-ce qui t'a donné d'autres envies de venir au club? D'autres envies, moi je voulais avoir du temps de jeu. Donc je me suis dit qu'avec Rouen, troisième défenseur, j'allais en avoir, mais pas trop. Donc je me suis dit, là je repars de zéro dans un nouveau club de N2, le coach me connaît, donc je pense avoir plus de temps de jeu. Et puis ouais, le fait de changer de région, de changer de championnat, de jouer contre des nouveaux clubs, c'est ce qui m'a motivé. Et Clément, c'est quoi un petit peu la force et les forces même de l'effectif d'Angoulême que tu as découvert depuis l'été dernier? Les forces, c'est que on est tous courageux. Tout le monde peut faire les efforts. S'il y a quelqu'un qui va être tout seul, il sait très bien que derrière, il va y avoir 2, 3 joueurs qui vont l'aider. Donc, ouais. Et puis, la communication, on s'entend tous vraiment bien, que ce soit en dehors ou au foot. Franchement, tout se passe très bien. Et puis, ouais, on a une bande de potes. Et puis, ce qu'on veut, c'est jouer. Et puis, c'est de gagner nos duels. Non, mais comme on dit, on est ensemble dans l'équipe. Tu as 24 ans, tu es l'un des artisans de la belle saison d'Angoulême. Quelles sont toi, sur un plan personnel, tes ambitions? Mes ambitions futures, bah là, je suis en train de faire une saison pleine en N2, donc c'est ce qui est assez bien. Donc mes ambitions, moi, c'est peut-être culotté de ma part, mais j'ai pas de limite en fait. J'ai envie de jouer le plus haut possible. Et puis après, moi, mon objectif plus tard, c'est de gravir les échelons petit à petit, donc national, si je peux Ligue 2, si je peux Ligue 1, comme je vous ai dit, j'ai pas de limite, j'ai pas envie d'avoir de regrets dans ma carrière de footballeur, donc je vais prendre ce qu'il y a à prendre, en tout cas, je vais faire le max, et puis après, je vais voir. On te souhaite le meilleur en tout cas Clément, mais avant de te remercier d'être parmi nous dans Replay N2, je vais te poser une dernière petite question, une petite question d'ailleurs que j'aime bien poser à chacun de nos invités. Est-ce que tu es joueur? Oui. Je vais te poser une dernière question donc Clément.
Tu es joueur, est-ce que tu as quelque chose à faire gagner aux auditeurs de Replay N2, à ceux qui nous regardent, un maillot, quelque chose, un short, en tout cas, un truc à faire gagner à ceux qui nous écoutent? Ouais, je peux mettre en place à faire gagner un des protège-tibias personnalisés. Donc des protège-tibias avec le logo de mon club, le numéro que j'ai, et puis avec mon nom. Prends carrément, Clément. En tout cas, on te remercie. On fera gagner tes protège-tibias donc dans quelques jours à ceux qui nous écoutent. On te remercie encore une fois d'avoir été présent avec nous pour ePlay N2. On te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière personnelle, hein, mais aussi pour la saison d'Angoulême. Et on te suivra bien évidemment de très près d'ici la fin de saison. En tout cas, encore une fois, merci et à très bientôt, Clément. Merci à vous, à bientôt. Allez, nous, on passe à notre tableau d'affichage. Le tableau d'affichage, c'est l'occasion de faire le point groupe par groupe du groupe A jusqu'au groupe D. Classement, images fortes, résultats, vous allez tout retrouver dans cette rubrique. Et on va regarder tout ça de très près parce qu'il y a eu des leaders en difficulté, mais aussi de la rébellion dans la course au maintien, à commencer par le groupe A, où on va regarder le choc du week-end entre Chartres et Blois, ou plutôt entre Blois et Chartres, puisque ça s'est déroulé au stade des Allées à Blois. La victoire de Chartres, vous allez le voir en images, une victoire 4 buts à 2. On va voir tous les buts de ce choc entre concurrents au podium et l'ouverture du score tout d'abord des visiteurs. Elle est signée Francou, qui va être l'homme du match, côté, en tout cas du début de match, côté Chartres. Mais les locaux sont revenus au score rapidement avec Maluvunu. Un partout à la demi-heure de jeu. Mais ce début de rencontre, on l'a dit, est marqué du saut de Francou, qui va s'offrir un deuxième but magnifique, avec peut-être un peu de risque quand même, mais ça rentre dedans. Chartres 2, Blois 1. Et les visiteurs, les hommes de Jean-Pierre Papin, qui ne vont pas s'arrêter là, et qui vont continuer de pousser, et même d'inscrire un troisième but. Il est cette fois-ci signé Adadou. Après l'heure de jeu, ça fait 3 buts à 1, puis 4 buts à 1 dans la foulée. Avec Emia qui va participer à la fête sur cette belle action, ce bel 1-2. 4 buts à 1 pour Chartres du côté de Blois. Et la réduction du score à une dizaine de minutes de la fin de série qui n'aura pas servi à grand chose. Victoire 4-2 donc de Chartres sur la pelouse de Blois. Gros coup des joueurs de Jean-Pierre Papin. Et on va regarder les autres résultats avec Versailles, le leader tenu en échec par Romorantin 0-0. La victoire 3-0 du Dauphin Lorient contre Poissy. Et notez bien, il y aura un choc entre Chartres et Lorient le 9 avril prochain. Il coûtera très cher hein, ce choc-là du haut de tableau. Plabennec qui s'est imposé également du côté de. Enfin, face à Vannes, 1 but à 0. Le match nul de Vitré de partout contre Rouen ou encore la victoire dans le choc des réserves de Guingamp à Caen. Coup d'œil sur le classement avec le coup d'arrêt donc pour Versailles qui voit Lorient revenir à 4 longueurs et Chartres à 6 points. Je l'ai dit, donc prochain match à venir le 9 avril entre les deux équipes. Plabennec qui laisse sa place de lanterne rouge à Vitré. Malgré sa performance, Romorantin reste dans la zone rouge. Enfin, Granville battu à Saint-Malo reste à portée de tir. On file dans la poule B où l'entente Sannois-Saint-Gratien, la lanterne rouge, n'a pas dit son dernier mot et continue de remonter au classement. Il y avait un choc du bas de tableau face à Chilty Game. Eh bien, les Franciliens se sont imposés 1 but à 0, une courte mais précieuse victoire qui s'est dessinée en toute fin de rencontre. Vous le voyez, ce coup de tête victorieux de Gaël Vena à la 83e minute de jeu. Il est très 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 important hein, ce résultat face aux Alsaciens et vous le verrez dans quelques instants avec les conséquences au classement. Mais en tout cas, troisième victoire en 5 rencontres sur les 5 derniers matchs pour l'entente Sannois-Saint-Gratien qui, on l'a dit, n'a pas dit son dernier mot. Pour Chilty Games, ça se complique avec une dernière victoire qui remonte au 29 janvier. On va regarder également tous les résultats avec Beauvais qui s'est payé le leader, le Paris 13 Atlético, battu dans l'Oise, 1 but à 0. Le Dauphin Fleury, qui n'en a pas profité, tenu en échec à Sainte-Geneviève, 1 but partout. Et les Lusitanos, 3e, qui se sont imposés du côté de Belfort, 1 but à 0. Le match nul également à noter entre Agno et Bobigny, 1 but partout. Et Épinal, on l'a dit tout à l'heure, on l'a vu dans la toile sans flamme, la victoire d'Épinal, 2-0 contre Metz. Et enfin, la très très belle victoire de Lens à Reims, qui relance également tout le suspense en bas de tableau. On va faire un point sur le classement. Le Paris 13 qui reste toujours leader, bien évidemment, avec 6
points d'avance devant Fleury, deuxième avec autant de points d'avance pour Fleury sur les Lusitanos. Troisième, Bobigny, Épinal et Beauvais au coude à coude au pied du podium. Et en bas, on l'a dit, c'est totalement relancé. L'Entente Sannois-Saint-Gratien à 5 points maintenant du premier non relégable. Lens qui se relance également. Et chez le T-Game, Belfort et Metz qui se compliquent la tâche. Direction le groupe C, où un choc qu'on aime toujours voir en Ligue 1 s'est déroulé, mais cette fois-ci en National 2, le choc des réserves entre Marseille et Lyon. Et c'était un match très important pour les deux équipes, hein, pour la suite de leur saison. Marseille, lanterne rouge, Lyon, incapable de marquer le moindre but en 2022 et sans victoire toujours en 2022. Et bien, les Lyonnais ont réalisé le joli coup en s'imposant en terre phocéenne. Une victoire 2-0, tout d'abord grâce à un coup de tête de Thomas dès la 17e minute de jeu. Et le coup de grâce des Lyonnais, il est arrivé en toute fin de rencontre à la 88e minute avec Bossiwa. Voilà, ça combine bien dans la surface. Et derrière, cette petite frappe qui vient tromper le portier phocéen, un petit peu malheureux et coupable sur ce deuxième but lyonnais. Donc victoire 2-0 de Lyon à Marseille. Coup d'œil sur les résultats avant de regarder les conséquences au classement. Fréjus qui s'impose 3-1 face à Lyon-la-Duchère. Rumilly battu à domicile par Martigues 2-1. Et donc, on l'a dit, ce choc entre l'OM et l'OL, 2-0 pour l'OL à Marseille. Dans le bas de tableau, on notera également la très importante victoire de Saint-Priest contre Monaco, 2-1. En haut, il y a eu du spectacle avec le leader, le Gol FC, tenu en échec pour la 3e fois consécutive. Le Gol FC, hein, qui menait même 3-0 face à hier, avant la remontada des visiteurs. Et on notera également la victoire importante de Grasse sur la pelouse de Juracide de Buzyn. Conséquence au classement, donc le Gol FC est toujours leader malgré ses 3 nuls consécutifs. 6 points d'avance sur son dauphin Martigues. Grasse qui s'accroche au podium devant Marignane. Et en bas, donc on l'a dit, l'OM toujours dernier. Rumilly et Lyon-la-Duchère qui glissent dans la zone rouge. Enfin, Saint-Priest s'en extrait et met la pression sur Monaco et Toulon. Du suspense, il y en a dans la poule A, il y en a dans la poule B, il y en a dans la poule C, il y en a également dans la poule D. Et on avait un choc de haut de tableau avec Andrézieux qui recevait Angoulême et qui pouvait, hein, les deux formations, profiter du match reporté du leader Bergerac face à Nantes. Alors c'est manqué pour Angoulême, battu sur la pelouse d'Andrézieux. On en a parlé tout à l'heure avec Clément Jolibois, le défenseur d'Angoulême. Et tout s'est dessiné rapidement, hein, dès la 6e minute de jeu. L'ouverture du score des Faucons à domicile par Abdoulaye Diallo. Ce face-à-face remporté par l'attaquant d'Andrézieux. Victoire courte mais précieuse. On le verra au classement dans quelques instants. En tout cas, pour ce qui est des autres résultats, Le Puy tenu en échec par Bourges, un but partout. Colomiers battu à domicile par le Canet 3-2. Montpellier qui s'offre une belle victoire importante également dans la course au maintien face à Moulin-Isère, 4-2. Chamalières également concerné par sa survie en N2, qui bat Trélissac de Buzyn. Et enfin, on notera le match nul de la lanterne rouge Mont-de-Marsan à Angers, 0-0. Au classement, le point, c'est Bergerac qui réalise la bonne opération sans jouer, qui reste donc leader avec un point d'avance sur Angoulême. Et derrière, on verra que la grosse opération, elle est finalement également pour Andrézieux, hein, qui revient à 2 points d'Angoulême et donc de 3 provisoirement de Bergerac, car on l'a dit, Bergerac, match reporté à ce week-end contre Nantes. Bourget Le Puy qui reste au pied du podium, pas de miracle non plus donc pour Mont-de-Marsan, toujours bon dernier. Et enfin Montpellier qui se relance avec Chamalières, Angers, voire même Trélissac à portée de tir. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de la 23e journée de National 2. Alors notez-le bien, pas de match ce week-end, hormis le report de Bergerac-Nantes dans la poule D. Mais la 4e division est au repos ce week-end, donc on retrouvera le championnat dans une semaine. En tout cas, vous retrouvez avant cela tout de même Live N2 avec Denis Balbière vendredi sur les coups de 18h. Le rendez-vous incontournable. Nous, on se retrouve également mardi prochain, même heure, même topo. Salut à tous.